Flash News, priorité aux news. Bonjour à tous, c'est Nebes et là on a une information qui a été confirmée. Vendredi 6 mai 2016 à 22h, il y aura la révélation en première mondiale du prochain BF. C'est officiel, c'est sûr à 100%. Donc le petit leak qu'on a vu auparavant dans le dernier Flash News est donc vrai. Est-ce que ce sera BF5? Est-ce que ce sera BF1944? Est-ce que ce sera BF Hardline 2? On ne sait pas. Il y aura un live stream qu'il faudra bien évidemment suivre. Ça se passera depuis Londres. D'ailleurs, on a vu, d'après BF Bulletin, un autre compte de Twitter, comme quoi des gens y seraient invités. Ils ont aussi pour l'occasion mis un nouveau site en place, donc allez le voir, le lien est en description. Ça serait, c'est le site officiel, on peut retrouver toute l'histoire des BF depuis le début, une sacrée rétrospective dans une vidéo qui est vraiment super belle. Et aussi, on peut s'inscrire à la newsletter en avant-première pour éventuellement débloquer du contenu dans le futur jeu. Ils ont déjà prévu ça, ainsi que des récompenses. Mais quand on clique dessus, on a un petit code d'erreur qui s'affiche, des petites lettres comme ça. Est-ce que c'est un vrai code d'erreur? Ou, sachant qu'on peut écrire, est-ce que ce ne serait pas un nouvel easter egg comme c'était le cas sur le battle log lorsqu'on cliquait sur la petite tête de mort, hein, vous savez, pour le programme fantôme, pour débloquer l'arc fantôme, hein, je vous mets le lien aussi en description de la vidéo de l'easter egg. Est-ce qu'il n'y aurait pas un nouvel easter egg? Je sais pas. Toujours est-il que rendez-vous le vendredi 6 mai, comptez sur moi pour vous donner toutes les informations dès que j'en ai dans les Flash News, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à me suivre sur Twitter, Facebook, Google+, et même Snapchat, tout est dans la description. Moi je vous dis à très vite pour des nouvelles infos, je suis super excité, à très vite.